Alors, c'était une nouvelle expérience ce soir en défense. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance? Bien, personnellement, effectivement, c'était une première fois pour moi d'être défenseur latéral. Je crois que ça a pris un petit peu de temps à me mettre dans le rythme, mais une fois qu'il était parti, il y a eu une bonne communication, on était sur la même page, comme on dit. Les choses allaient bien, on était capable de bâtir à partir de la ligne défensive, plusieurs actions offensives, donc ça a été une belle performance d'équipe. Tu as fait la passe pour avant le but. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu que Sophie était en espace? Effectivement, quand j'ai levé les yeux, c'est une fraction de seconde, mais j'ai pu voir qu'il s'en venait dans l'espace devant le défenseur. Donc, j'ai pris un risque et puis, bon, voilà, elle a réussi à terminer en une touche. C'était un but incroyable de sa part. Est-ce que vous pensez que vous avez une future en défense? On va voir ce que l'équipe a besoin. En fait, je crois qu'on arrive au tournoi de la Coupe du Monde. Il va y avoir plusieurs matchs, beaucoup d'intensité, tout peut arriver. Je pense que pour l'équipe, c'est bien de considérer que je peux être un bon backup. À voir, je suis prête à toutes les opportunités parce qu'on veut gagner. Donc, peu importe où est-ce qu'il faudra que je joue, je vais être prête. Une première victoire contre l'Angleterre en 5 matchs. C'était quoi la différence ce soir? Je crois qu'on avait plus de calme pour bâtir. Je crois que défensivement également, on était en mesure d'arrêter leur attaquante. Donc, on était capable de lire leur course. On était capable de couvrir suffisamment rapidement. Donc, ils n'ont pas eu vraiment de chance dangereuse. Et de notre part, bien, on a réussi à contrôler le jeu, choisir les bonnes opportunités. On a eu quelques occasions. Ça aurait pu être 2-0, mais on va se contenter d'un 1-0 pour l'instant. Merci beaucoup. Merci.